Hey, aujourd'hui, c'est une ouverture de box, la Z-Box. Et oui Céline, la Z-Box. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous kiffez la série des bots? Dites-le nous dans les commentaires, lâchez des petits likes. Ouais. Et puis on déballe tout de suite la Z-Box. Du mois de novembre. November. Yes. Allez, et November. Non, donc c'est vous n'oublierez. Ouais, mais là c'est November. Ouais, ben... Je l'adapte. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire quel aura été votre item préféré dans cette Z-Box. Allez, je commence. Je tuile, nous vous île, vous aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, Moon, t'es trop curieuse là. Arrête. Stop. Attention. Tu me donnes là, quoi. Tu arrêtes. Alors. Je te fais le titre du Jedi. À mon avis, c'est un poster dans le tube. Bah sinon... Non, c'est... Ah, je galère à l'ouvrir. Ça va faire un beau chpoup. Un beau chpoup. Super l'idée de mettre ça au niveau des emballages. Alors c'est un poster de quoi? Il s'agit de... Oh la vache. Oh, on n'en dira pas plus. Oh il est beau. Il est Vous magnifique. Vous savez à qui il va plaire. Oh il est magnifique. Franchement bien. Superbe. Et l'idée de le mettre dans un tube aussi, c'est bien, c'est la vie. Je sais pas si vous voyez bien parce que ça va faire un reflet, parce que c'est un peu métallisé. Ça fait un effet métallisé, mais magnifique. Waouh. Il est Attrapez-les tous. Superbe. Allez, à moi. Ouh. Qu'est-ce que ça va être? Non, je vais pas prendre le t-shirt. Hey, Lex Luthor. Ah, et... DC Comics Multiverse Lex Luthor de Batman v Superman. Regarde-moi ça. Et donc on avait déjà eu ce genre de figurine. En fait, il y a une pièce pour pouvoir faire. Là, par exemple, c'est un pistolet. Ah, vous n'allez pas bien le voir. En fait, il faut collectionner l'ensemble des figurines pour pouvoir faire finaliser. Ce pistolet. T'as toute la série des figurines. Donc t'as Batman, plusieurs Batman, Wonder Woman, Superman, tout ça. Et dedans, il y a une pièce. Là. Comme là, nous on a le. Il y a une pièce. Une pièce. Enfin, okay. pas d'argent, hein. Pas d'argent, hein. Oh. Et du un coup. Un élément. Ouais, un élément pour reconstituer ce. Eh bien, c'est le Batman's Grapnel Blasters. Ah, c'est cool ça. Allez, ouais. À toi. Allez, ça marche. Prends le t-shirt. Oh, il est bien jaune. Il est jaune. Wouh, il est bien jaune. Qui est jaune et. Qui attend. Jaune, attends. J'ai oublié de me la coltiner. Oh, Cobra Dojo. C'est Cobra, c'est Zut, c'est un dessin animé. C'est Masque? Non, je sais plus. Ah, j'ai un doute. Est-ce que c'est Masque avec les cobras, c'est les méchants? Regarde, tu connais pas. Tu vois à travers 1984. Ouais, c'est Cobra, c'est dans Masque. Hein. Si je dis pas de bêtises, je dis peut-être. Mais c'est un dessin animé. C'est un dessin animé des années 80. Et ah, ça m'embête de ne pas être sûr. Vous me le direz dans les commentaires si vous connaissez, si vous êtes en jeune, fait, vous ne connaîtrez pas. À chaque fois, parfois, il y a des trucs qu'on dit, mais c'est quoi? Et après, en off, on se dit, ah, mais c'était ça! Ah, mais on peut plus faire la vidéo! C'est dommage! Denis Brognard! Ah! Ah, moi! Non, c'était à moi! Oh, tu vas te faire le. Oh! Oh! Oh, sympa ça! C'est collector, ça ouais! Vous avez vu ça? Non, vous l'avez pas vu. Regardez! Une pièce Creator Jurassic Park. Limitée d'édition. C'est Jurassic Park, 25e anniversaire. Oh la vache. Il y en a que 5000 dans le monde. Bon, 5000, hein. Mais voilà. Quand même. Ah, je suis content. Jurassic Park. Mais ça va rester dans sa petite boîte, hein. Ça nous rajeunit pas. Une pièce Creator. Oh, ça c'est chouette. Je suis content. Je kiffe. Il y a des trucs sympas, là. Et on a la numéro 783. Alors, ça c'est un magasin. Enfin, je pense que c'est la... Ouais, je prends tout. Hein. Prends tout, vas-y, c'est le reste. C'est les Il reste encore des choses. Donc, ça, vous l'avez montré, hein. Jurassic. Ah, le mois dernier. Le mois dernier. Et le mois prochain, c'est Galaxy. Ah, Galaxy. Alors, c'est Star Wars, le mois de décembre. On a toujours un extrait de comics. Et là, c'est Fight American. Fighting American. Fighting Americans. Et c'est en français? Non. Original, en VO. Oh, et ici, oh, le pins, regarde, ça est gros ça. Ouais, ça fait penser à Crash Bandicoot. Ouais. Parce que c'est TNT. TNT,
On dirait Crash Bandicoot, ça ouais, ouais, à Crash Bandicoot. Ouais. Je pensais que ça aurait été un Pins Jurassic Park. Non, bah mais non, tu vois. Je suis un petit peu déçu. Là-dessus, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à du Jurassic Park, mais bon, c'est pas mal quand même. Mais un Jurassic Park, on avait déjà eu, je crois, un Overboard et tout. C'est Karate Kid. Ça n'a rien à voir avec Cobra dans Mask, c'est de Karate Kid, le dojo dans le film Karate Kid. Un très bon film, vieux film. Mais franchement, c'est pas mal. Quel a été ton item préféré, Céline? Ah, il y en a trop là. Vas-y, on va en prendre qu'un. Un seul? Ouais. Non, deux. J'aime bien le poster, parce que franchement, celui-là, il est super joli. Et la pièce? Non, la pièce, c'est moi. Ouais, je kiffe la pièce. Franchement, vraiment pas mal. Et vous, dites-nous dans les commentaires quel a été votre item préféré. Et puis lâchez des petits pouces bleus si vous kiffez les unboxing de bots. Et si vous aussi, vous avez des bots. Et puis on se retrouve prochainement, chez Family Geek, sur YouTube, mais aussi sur Twitch, en live, solo ou couple. A bientôt, salut les amis.